Si vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui, vos anges gardiens ont un message particulier pour vous en particulier. Si vous pensez que vous êtes une personne ordinaire, ils ne sont pas d'accord, après avoir mieux vous connaître. Les anges disent qu'il y a des moments où il semble que vous ne vous tenez pas en haute estime, ou peut-être est-il plus juste de dire que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes spécial. Vous traversez la vie en pensant que vous êtes petit et insignifiant, mais votre impact et votre effet sont bien plus grands que vous ne le pensez. Il y a quelqu'un en particulier qui ne peut pas comprendre comment vous ne voyez donc évidemment pas la personne que vous êtes. Il regarde comment vous interagissez avec les gens et changez leur vie avec tant de tendresse et de facilité. Alors pourquoi ne vois-tu pas ça aussi? Il leur semble que vous vous considérez comme l'égal de tout le monde. Mais maintenant qu'ils ont eu la chance de vraiment vous connaître, ils ont découvert que vous êtes loin d'être ordinaire. Il n'y a personne d'autre comme vous, et cela leur paraît très évident. Jamais de leur vie ils n'ont rencontré quelqu'un d'aussi unique que vous, et ils vous adorent pour cela. Cependant, ils pensaient que vous sauriez à quel point c'est incroyable. Ils croient vraiment que vous auriez cette foi inébranlable en vous-même et en combien vous êtes spécial dans ce monde. Lorsqu'ils ont réalisé à quel point on se voit souvent, ils ont été surpris. Quelqu'un comme vous mérite d'avoir toute la confiance en soi du monde, et maintenant il s'efforcera de vous la donner afin que vous puissiez vous voir avec plus de précision. Je le répète, vous pensez que c'est courant, ils ne sont pas d'accord après avoir mieux connu. Souvent, les gens ne se voient pas clairement, que ce soit de manière positive ou négative. Certains ont un ego gonflé sans le mériter, et d'autres ne s'accordent pas suffisamment de crédit pour qui ils sont et ce qu'ils font. Vous faites partie de ce dernier groupe. Votre perception de vous-même est obscurcie par l'insécurité et le doute de vous-même que vous n'avez certainement pas besoin d'avoir. Il est temps de supprimer le filtre déformé derrière lequel vous vous voyez. Il y a quelqu'un ici pour vous aider à le faire. Quand il vous voit, il voit la personne la plus unique qu'ils aient jamais rencontrée. Vous êtes une personne intéressante et aux multiples facettes qui ne cessent de surprendre les gens. Ils vous ont aimé dès le moment où ils vous ont rencontré, simplement à cause de l'énergie que vous dégagez. Mais à mesure qu'ils passaient plus de temps avec vous, ils devenaient encore plus enchantés. Votre point de vue est si unique et si nouveau que lorsque les autres sont pessimistes, vous trouvez toujours un moyen de voir le positif. Quand il semble que tout va mal, vous pouvez trouver du positif. Vous êtes non seulement passionné mais aussi poli. Il sait de quoi il parle et parle avec une assurance douce qui fait que tout le monde l'écoute. Cependant, vous n'êtes pas fermé ou réticent à écouter. Les conversations avec vous sont toujours stimulantes et intéressantes. Il est impossible de prédire la direction que prendront les choses, mais c'est ce qui la rend si excitante. Vous n'êtes pas superficiel et vous ne passez pas votre temps à vous concentrer uniquement sur le matérialisme. Votre esprit réfléchit plus profondément et il aime le fonctionnement de votre cerveau. Vous leur avez déjà beaucoup appris et vous leur avez ouvert les yeux sur des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé auparavant. Vous les encouragez à vivre de nouvelles expériences et à voir le monde d'un point de vue différent. Depuis qu'ils vous ont rencontré, leur vie a changé. Là où les choses étaient ennuyeuses et monotones, elles sont désormais colorées. Non seulement vous les éduquez, mais vous les aidez également à redécouvrir la part d'eux-mêmes qu'ils pensaient avoir perdue en grandissant. Vous rendez les choses à nouveau amusantes. C'est surprenant de voir comment quelqu'un peut être autant de choses à la fois. Vous êtes amusant et décontracté, tout en étant intelligent et attentionné. On dirait qu'il sait gérer n'importe quelle situation avec le sourire. Vous les incitez à devenir de meilleures personnes, comme vous. Pouvez-vous voir l'effet que vous avez eu sur cette personne? Vous n'auriez peut-être jamais pensé que vous pourriez avoir un tel impact sur quelqu'un, mais vous êtes plus aimé et admiré que vous ne le pensez. Ils ne sont pas les seuls à penser que vous êtes extraordinaire. Ils ne sont pas les seuls à reconnaître à quel point vous êtes spécial,
mais ce sont eux qui ne veulent pas vous laisser continuer à ignorer à quel point vous êtes extraordinaire. Vos anges gardiens souhaitent que vous entendiez ce message afin que vous puissiez vous apprécier davantage et avoir une plus grande confiance en vous. Si vous croyez en vous, vous avez encore plus de chances de réussir. Lorsque vous doutez de vous-même, vous invitez le doute dans votre expérience, et il n'est pas du tout nécessaire de douter de vous-même. Si vous voyez que vous êtes extraordinaire, votre confiance augmentera. Non seulement augmenter votre confiance en vous vous permet de vous sentir mieux au quotidien, mais cela est également très évident pour les autres lorsque vous avez une plus grande confiance en vous. Cela change votre façon de vous comporter et de vous comporter. Lorsque vous marchez avec cette confiance, davantage de personnes vous remarquent et vous respectent. C'est ce que vous méritez. Alors, comment adoptez-vous cette vision de vous-même? Écoutez ce message et absorbez-le. Lorsque cette personne fait tout ce qu'elle peut pour vous montrer à quel point vous êtes spécial, acceptez-le et croyez-le. Soyez reconnaissant qu'ils aient mis cela en lumière. Ils tiennent trop à toi pour laisser tomber ça. Alors remarquez comment ils font de leur mieux pour vous élever. Ne vous permettez pas de rejeter ou de rejeter cela. Même si les compliments peuvent être difficiles à accepter, lorsqu'ils proviennent de sources authentiques comme celle-ci, permettez-vous d'en profiter. Il n'y a rien de mal à se célébrer. Vous pensez que c'est courant, mais ce n'est pas le cas, et c'est un fait. Il n'y a pas de place pour les doutes ou les questions. Si vous savez que ce n'est pas courant, qu'est-ce que cela fait de vous? Cela fait de vous quelqu'un d'unique, quelqu'un qui sort des sentiers battus et propose une vision différente du monde. Cela vous rend spécial. Continuez à être fidèle à vous-même. Ne vous laissez jamais céder aux besoins perçus de vous conformer aux attentes de la société. Si quelqu'un vous fait craindre d'être différent, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous aimeront toujours parce que vous êtes différent. Ce sont ces gens qui comptent vraiment. Ayez confiance en la personne que vous êtes, parce que les autres ont cette foi et vous aiment pour cela. Je veux terminer par une prière pour vous. Seigneur, nous te portons dans la prière, car tu sous-estimes souvent ta propre valeur et ton caractère unique. Aidez-les à voir les qualités extraordinaires que les autres reconnaissent en eux, comme leur capacité à trouver la lumière dans l'obscurité et la profonde sagesse qu'ils possèdent. Que ce message résonne dans vos cœurs, vous remplissant de confiance pour embrasser votre individualité et vous tenir droit, sachant que vous êtes aimé et chéri tel que vous êtes. Amen. Prenez un moment pour permettre à ces mots de résonner dans votre esprit. N'oubliez pas que vous êtes aimé et protégé par l'univers. Entrez 555 pour réclamer ce message et les bénédictions qu'il vous réserve. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers voit cela comme un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie.